C'est un couple solide et déterminé qui est arrivé mercredi 21 juillet à Tokyo. À l'occasion des Jeux Olympiques, que tous les sportifs de haut niveau attendaient avec impatience. Place égale à Cheryl Flormenodo et sa partenaire Pernille Blum ont foulé le sol nippon. Bien décidés à ramener l'or à leurs nations respectives. En effet, la jeune femme de 27 ans est également une athlète olympique, elle est nageuse professionnelle. Représente le Danemark et a gagné l'or aux 50 mètres nage libre en 2016, durant les Jeux de Rio. Au Brésil, le petit frère de Laure Manodou, 30 ans, pourra donc compter sur la présence et le soutien de sa conjointe. Pernille Blum, qui concourt également pour son pays. Sur Instagram, il a partagé une vidéo de son couple en plein Covidate à Tokyo. On peut voir les amoureux à la cantine, en compagnie d'autres sportifs, leur plateau repas orange sur la table. Pernille Blum et Florent Manodou se font face mais sont séparés par une vitre en plastique. Ils posent alors leurs mains sur cette dernière. Devant cette scène romantique. Un de leurs acolytes, Mehdi Metella, membre de l'équipe de France de natation, s'écrie « Oh c'est mignon !» Il faut dire que, cette année et pour la première fois, les Jeux Olympiques ont lieu dans une ambiance exceptionnelle. Pandémie oblige. L'accès aux tribunes a été restreint au public, qui pourra seulement assister aux épreuves se déroulant en dehors de la métropole du Grand Tokyo. Une jauge de 50% de la capacité maximale des sites devra être respectée. Les sportifs ont également dû faire le déplacement sans leur famille. Différence énorme pour l'ex-compagnon d'Alizé Lim, qui a partagé son ressenti dès son arrivée au Japon. Au journal La Provence, c'est dommage que ce soit à huis clos car les gradins sont vraiment énormes. On sait que les Français sont derrière nous, même s'ils sont restés chez eux. Je retrouve un petit côté excitant de nager à nouveau aux Jeux Olympiques mais aussi de la tristesse de ne pas avoir de spectateurs dans les tribunes. Guillaumet.